grande est notre joie de vous savoir tellement nombreux en train de nous regarder à travers le monde dans cette émission de Mamamag. Ici, nous vous parlons des différents sujets. Nous sommes là à débattre, à chercher quelques pistes de solutions par rapport aux différents problèmes que nous rencontrons au sein de la société, chers téléspectateurs. Merci de nous faire confiance de partout où vous nous regardez aujourd'hui spécialement. Nous allons parler de quelques problèmes que nous rencontrons avec les nounous, avec les femmes des ménages. Comment s'y prendre? Comment se comporter? Comment aussi chercher une femme de ménage? Celle qu'on connaît ou celle qu'on ne connaît pas? Aujourd'hui, nous allons devoir en parler. Vous avez des gens que peut-être vous maltraitez. Vous le considérez comme si ce ne sont pas vos proches, vos semblables. Aujourd'hui, nous allons en parler, chers téléspectateurs, avec des invités de marque déjà qui sont sur ce plateau. Nous avons Madame Muriel Roumbe. Je souligne qu'elle est chef d'une agence de nettoyage et de déplacement. Elle est aussi une influenceuse TikTokeuse ici sur place. Et donc, elle influence positivement sur les réseaux sociaux. Elle est là déjà sur ce plateau pour vous parler de ces sujets très très importants. Maman Salvatrice aussi sera de la partie. Elle est femme de ménage depuis quelques années. Elle aime son travail et elle le fait avec amour, bien sûr. Elle va nous parler de ces quelques expériences qu'elle a eu à vivre pendant toutes ces périodes aussi, toute la période qu'elle a eu à faire ce genre de travail. Les deux aussi dames que vous êtes aussi habituées à voir sur ce plateau, la personne de Gisèle et aussi Christian Toumba, sont de la partie. Pour bien démarrer avec cette émission, chers téléspectateurs, nous allons devoir nous retrouver juste derrière ces transitions. Comment être professionnel, chers téléspectateurs? On en parle aujourd'hui avec déjà, comme je venais de le présenter tout à l'heure, l'équipe est vraiment au grand complet pour vous servir, vous le téléspectateur de luxe. Vous êtes les dames, surtout vous êtes concernés, ces sujets vous concernent parce que c'est vous qui êtes en rapport permanent, en relation permanente même avec le nounou, mais aussi avec le femme de ménage. Comment vivre avec ces dernières? On en parle aujourd'hui, nous recevons déjà pour vous nos invités qui sont sur ce plateau, Madame Muriel Roumbe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes dans la joie d'être avec vous parce qu'on vous voit souvent sur TikTok à nous parler de belle-mère. Apparemment, vous en avez un problème. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous, voilà. J'ai pas de problème particulier, mais c'est bien pour détendre. En tout cas, c'est très bien. Chers téléspectateurs, c'est un visage que vous voyez déjà sur les réseaux sociaux. On le souligne qu'elle est une influenceuse positive sur Internet, beaucoup plus sur TikTok. Alors, nous avons le plaisir d'être avec elle sur ces plateaux des Mamamag pour partager. Parce que déjà, aujourd'hui, elle a pour statut chef d'une agence de nettoyage et de déplacement. Donc, lorsque vous avez besoin d'une femme de ménage, du nounou, elle est là, elle est mieux placée pour vous donner n'importe quelle dame que vous allez vouloir. Vraiment, elle en a. C'est ça, donc c'est ça même votre société, madame. Tout à fait. Exactement. Maman Salvatrice Kabila, Karibou Kabisa. Merci beaucoup, madame. Vous n'avez pas. Très bien. Vous n'avez pas été dans quoi, dans votre plateau. Merci beaucoup. Kabisa, madame Gisèle Tambwe. Bonjour, maman Naomi. Merci d'être parmi nous. Le plaisir est partagé. Bonjour à maman Salva. C'est ça, partager le plateau de maman Salvatrice Kabila. En tout cas. Bonjour aussi à madame Muriel Roumbe, voilà. Madame Muriel, vous êtes toute belle, je l'ai dit même avant l'émission. Merci. Mm-hmm. Votre teint, la peau de votre couleur. La couleur d'origine. Voilà. C'est la couleur d'origine. Voilà. Ça me plaît, voilà. J'aime, c'est beau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Tata Christy, bonjour. Tata. Qu'arrivez-vous? Merci bien. Bonjour, maman Pasta. Bonjour. Bonjour à l'ensemble des invités sur ces plateaux. Bonjour à ces téléspectateurs fidèles de mon mag. En tout cas, j'aime quand tu fais genre, je suis calme. Oui, je parle pas beaucoup. Moi, je suis elle est de nature timide. Je suis de nature timide. Elle est de nature timide, alors. Je suis conseillère conjugale. Ouais. Et aussi marraine de plusieurs couples, déjà. Coach. Il faut le dire. Coach.
Coach, c'est quoi? Matrimonial. C'est très bien. Merci, c'est l'ambiance qui va devoir régner sur ce plateau. Aujourd'hui, Madame Christiane Toumba, préférez-vous avoir une nounou, bien une femme de ménage que vous avez peut-être rencontrée sur la rue, ou bien vous voulez vraiment avoir quelqu'un que vous connaissez? Préférer, ce n'est pas... Je ne répondrai peut-être pas à la question, parce que la société actuelle nous impose certains rythmes, certains modes de vie. On est obligé d'accepter, d'adhérer. C'est peut-être pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on est obligé de le faire. Alors, moi je suis pour bon, l'option d'avoir une nounou à la maison pour garder les enfants, la garde des enfants, et avoir une femme de ménage pour aider à quelques tâches ménagères. Gisèle, est-ce que vous partagez le même avis que Christiane? Vous pouvez peut-être, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à la maison, et du coup vous êtes au travail de 8h peut-être à 18h. Vous préférez avoir quelqu'un de la route ou bien une femme qu'on va vous recommander par une agence? Généralement, nous souhaitons quelqu'un qui nous est familier. C'est important parce que là, bon, c'est vrai, on peut se familiariser avec la personne d'une manière superficielle. On s'est dit, je la connais bien, je connais Madame Muriel, je peux le dire, je vais travailler avec Madame Muriel, mais je connais pas son cœur. Voilà. Le cœur, c'est un domaine réservé à Dieu. On se connaît des visages, on ne connaît pas les cœurs. Mais naturellement, comme ça, on s'est dit, vaut mieux quelqu'un que je connais. Genre, même si je ne pars pas directement dans une agence, mais je peux passer par Maman Salva. Maman Salva, connaissez-vous une fille qui peut m'aider? Je cherche quelqu'un pour garder les enfants ou arranger la maison, m'aider avec les travaux ménagers. Souvent, nous passons par des gens. Rares sont les fois où nous prenons quelqu'un qui vient, genre on les appelle, maman va contrat. Rares sont les fois où tu as bébé, tu as contrat, et puis tu te dis, elle dit, en tout cas, moi je ne le fais pas. Je ne préfère pas. Pour quelle raison? Plusieurs raisons, Naomi. Aujourd'hui, le monde est tellement devenu cruel qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a l'insécurité sur la ville. On ne connaît pas qui est qui. Nous avons entendu des témoignages. Vous introduisez quelqu'un dans votre maison qui s'est fait passer pour quelqu'un de contrat. Je vais faire arranger la pelouse, je vais torchonner, je vais lessiver. Alors que la personne vient espionner votre maison et c'est elle qui amène les gens la nuit pour dire qu'ici il y a le couloir, là-bas c'est la chambre des enfants. Et c'est puis, ça. Il y a les... Pour diverses raisons, on s'est dit. On n'est pas parlé de l'état d'âme, parce que l'état d'âme, là, c'est... Ça aussi, un autre côté, voilà. Voilà, Madame Muriel, on voulait savoir, parce que vous avez une société où on peut facilement avoir une nounou, une femme de ménage, qui s'appelle Chota. Voilà, facilement, on peut procurer, s'en procurer une bonne... Chota. Voilà, Chota. Chota, ça veut dire... Voilà, Chota, c'est... Palabre. Donc, elle cherche pas le paillot, ça veut dire une protection, en quelque sorte une sécurité. Voilà, quelles sont les qualités sous-abri, exactement, sous une protection. Voilà. Quelles sont les qualités d'une bonne femme de ménage? Voilà, pour une bonne femme de ménage, déjà on va partir sur base de l'éducation. C'est important pour nous, nous recrutons par recommandation, comme madame l'a dit. Et ce qui est primordial pour nous, c'est plutôt l'éducation, la propreté et la véracité de la personne, qui n'est pas tout de suite repérable, mais avec le temps, par la formation, par beaucoup de choses par lesquelles on passe, on sait distinguer telle et telle autre personne. Exactement. Et comment vous savez que cette dame est bien éduquée, l'autre n'est pas bien éduquée? Voilà, j'ai quelques stratégies personnelles. Bon, je vais peut-être en donner une. Que j'ai eu à faire à mes débuts, c'est que je peux avoir une dame qui vient me voir, je la fais attendre au bureau pendant une heure du temps. Une stratégie. Je ne viens pas. Après quelques temps, j'arrive, dès qu'elle me voit, je dis « Ah bonjour madame, vous êtes là ». Je vois l'attitude. Elle boude, elle est normale. Elle est énervée. Il y en a d'autres, elle appelle, elle te dit non, mais depuis que je veux vous attendez. Tout de suite, je sais qu'elle est un problème. Mamie, oh là là. Voilà, mais madame Muriel, attention, il y a d'autres aussi, elle manifeste cette apparence. Mais dès la première rencontre, c'est une bonne personne. Au fond d'elle, elle vous sort des langages là dont vous n'avez pas l'idée. Tout à fait. Et comment vous faites? Voilà pourquoi on est obligé de passer par une formation. Ok. Et je le fais moi-même. Ok. Enfin, pour l'instant, je le fais moi-même. Pour me rassurer, parce que bon, on va dire que j'ai quand même ce peps là. Exactement. Savoir qui est qui, bon, voilà, je me fie plus à mon instinct. Quoi. En tout cas, vraiment, c'est très bien de passer par la formation, parce que c'est que nous voyons aussi dans nos maisons, dans nos foyers. Dans nos foyers, c'est beaucoup de choses. Okay. Je crois que nous allons y arriver sur les défauts, beaucoup de problèmes que nous rencontrons avec les femmes de ménage. Maman Salva, ça fait combien de temps que Moukoumoui Kaji, femme de ménage, Belemouni Pendakaï Kaji?
C'est ça. On souligne que maman Salvatrice, elle est divorcée et mère de 4 enfants. Voilà qu'elle a opté, voilà une vie que de ça. Elle a opté de faire ce travail, elle venait de le souligner, qu'elle le fait avec amour. Sans amour, on ne peut pas le faire. Alors maman Salva, ça fait combien de temps qu'on y casse ? Et ça fait maintenant 12 ans. 12 ans, jour pour jour. Il me procurait quand même doyenne. Revenu à bien. Sana, madame Chako. Comme on est peine d'Akazi, on a continué à obtenir bien. C'est ça. Mais comment on est peine? Qui l'a dit qu'on fait un on a vous reproché. Mais comment on est peine? On a dit que tout le monde était quoi? On a quand même ça, quand qui l'a dit? D'habitude, on a 4h30. Ok. Quand on a 4h30, 35 ou bien 40, on a tout. Mais na kuya tellement que le koito konigala ka bien. Oui. Tout déjà na chauffeur ou la tout débat. A chemise obélé a déjà. A chemise obélé tout chaque à peu près 5 ans. Waouh. Pas les chauffeurs ou ma bus. Ah ma bus. Tout na kuya tout na kuta na pale. Tout na beba na chebote kutokia ile nga moniko. Si directement en indaka kukra, nanya chamia. Ana kwa cha, mucha na kuzobelea na. Ile otu na pouvait que ma pendo yu kwa mama Salva ya ikazi. Na tunono nanza tena kwa encadrer bengine eh mama Salva. Eh ba poule. En tout cas, ma pouli. Mama Salva avec son mura ta agence. Attends, pour ça agence parce que mama ça va ma pouli, nous va que la ma poule. On va dire que c'est ça même la définition de la femme forte. Parce que la femme, parce que nous avions parlé de la femme forte, ces femmes sont fortes, chers téléspectateurs, elles ont des qualités, elles ont, je ne sais comment les définir, parce c'est que ça. Nous-mêmes, là, ça nous arrive, ça se réveille chaque jour à 4 heures. Et puis 12 ans durant, hein, chers téléspectateurs. On ne parle pas seulement de se réveiller à 4 heures. L'habitude de travailler, le rythme de travailler à la maison, ça a pratiquement changé chez plusieurs femmes. C'est ça. Et surtout après la maternité, on devient... un peu faible, ça c'est tout à fait normal. Voilà, chers téléspectateurs, un tout petit peu fainéante. Chers téléspectateurs, ensemble avec vous, nous allons prendre cet élément, entendre aussi les quelques avis des Louchois. On se retrouve derrière pour la suite de ce programme. Une nounou ou une bonne, c'est une personne comme toutes les autres personnes. Alors en tant qu'un être humain, elle mérite d'être traitée avec dignité, avec respect et avec considération. Tout excès est toujours nuisible. À mon humble avis, il faut être gentil avec la bonne, mais pas être trop gentil. C'est une bonne, ce qu'elle fait, c'est un travail. Donc dans le travail, on ne doit pas être avec la personne trop gentille, mais on doit être avec la considérer la personne en tant qu'un être humain. Il faut la considérer et de voir tout ce que ils doivent prendre conscience, ils doivent prendre conscience de leur travail. C'est un travail, tout travail. D'abord, vous qui travaillez, vous devez donner de la valeur au travail. Vous devez quand même traiter les enfants comme il faut. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez. Si la personne a la bonne volonté de te donner, elle peut quand même te donner. Si vous cherchez peut-être une assiette, comment voulez-vous voler une assiette et tu mets dans ton sac et tu pars avec l'assiette sans tout pas demander l'autorisation auprès de ton chef ou auprès de ton patron qui t'a appelé pour que vous puissiez venir travailler. Vous devez quand même demander l'autorisation auprès de ton patron. On ne peut pas quand même être volé. Ça c'est un conseil que nous donnons à tout le monde parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que vous travaillez, vous devez prendre quand même un peu le travail au sérieux et ce que tu le fais un peu dans de bonnes conditions. Normalement, bon, il faut que vous traitez, mais vous savez, vous savez. Alors, quand vous avez un cas, peut-être que vous avez un cas. Maman a un cas, maman a un cas, maman a un cas, maman a un cas, maman a un cas. Bon, on a un cas, maman a un cas, maman a un cas, maman a un cas, vous traitez bien. Vous êtes capable de vous faire chanter, vous êtes vivant, même famille, vous êtes mort, vous disparaître. Alors, il faut vous traiter dans un jour. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Les avis que nous avons pu recueillir pour vous, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler sur ces sujets, nous, femmes de ménage, comment être professionnelles. Nous avons nos invités déjà de marque, madame Muriel Roumbe. Elle a une société Tchota, voilà. C'est-à-dire, vous pouvez avoir besoin d'une femme de ménage, du nounou auprès d'elle, vous allez en avoir sans problème. C'est-à-dire, vous avez la sécurité, vous avez la confiance. Lorsque vous avez un problème, vous allez revenir toujours auprès d'elle. Madame Muriel, on voulait maintenant savoir, les téléspectateurs qui nous suivent en cet instant, comment est-ce que vous avez cette société, cette agence qui procure des femmes de ménage, de nounous, comment vous procédez? En fait, on procède par recommandation. Bien sûr, quand on a commencé avec une seule femme de ménage. Et celle-ci, ayant fait ses preuves, a ramené plusieurs autres qui ont eu à être formées. Bien sûr, on a mis de côté celles qu'on pensait ne pas avoir d'aptitude. Et voilà, ainsi de suite, et on a eu autant de personnes qui se sont recommandées. On a plus d'une centaine de dames dans la base de données. Ah bon, aujourd'hui Naomi, j'aimerais savoir, parce que on parle de nounou, on parle de femmes de ménage, si vous pouvez quand même nous établir cette différence qui existe entre les deux. Parce que dans nos familles, dans nos ménages aujourd'hui, on prend la même personne, elle joue tout le rôle de la maison. C'est elle la sentinelle, c'est elle qui... Ça, elle s'occupe des enfants, c'est elle qui torchonne, c'est elle qui prépare, elle fait tout en fait. Est-ce qu'il y a quand même une différence? Oui, il y a une très grande différence. Dans les jours d'aujourd'hui, on rencontre cette difficulté avec beaucoup de nos clients qui ne savent pas faire cette différence-là. Voilà, il y a quelqu'un qui va te dire, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un qui doit garder les enfants. Et cette personne se retrouve en train de récurer les toilettes ou je ne sais pas, autre chose. Or, quand tu prends soin d'un bébé, tu ne vas pas aller prendre des produits. C'est ça. Voilà. Donc, une femme de ménage, c'est celle qui, comme le terme le dit, est censée s'occuper du ménage. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est travaux ménagers, torchonnés, lessivés. Voilà, tout à fait. Encore lessivés, il y a encore des avant-dire. Non, mais repasser. Voilà, repasser, tout ça entre dans le ménage. Voilà. Okay? Et une nounou, c'est celle qui se charge des enfants. Entre autres, laver l'enfant, le faire manger et tout ce qui concerne les habits de l'enfant. Donc, tout ce qui concerne l'enfant, sa toilette, ses habits et voilà. Ça peut être un ou plusieurs enfants, bien sûr. 3, 4, 5. Ça dépend de la coucheuse. La problème. Voilà, vous qui me suivez, il faudrait établir aussi cette différence parce qu'on voit dans presque toutes les familles, c'est la femme ménagère que vous donnez, vous attribuez toutes ces fonctions-là. Vous allez même avoir pitié d'elle. C'est elle-même qui puise de l'eau, c'est elle-même qui lave les assiettes. Alors, si vous avez suffisamment de moyens, faites la part de choses. Mais au moins, Madame Muriel, il y a aussi de ces femmes, de ces dames qui se disent, bon, moi, au lieu que je prenne une nounou, je te prends toi la femme de ménage, au même moment, je te paye. J'ose un peu le salaire pour que tu puisses faire tous ces travaux-là. C'est aussi possible, même chez vous, c'est possible. Tout à fait. Il y a des dames qui te disent, écoute, moi, je n'ai pas un budget pour avoir deux personnes. Ou bien, ma maison est petite, je ne vois pas comment je peux avoir quatre travailleurs dans ma maison. Alors, dans ce cas-là, il y a des personnes, il y a des femmes très fortes. Il y a des femmes très fortes, capables de garder des enfants, capables de faire le ménage. Et elles s'en sortent très bien. Oui. Elles existent. On doit commencer d'abord dès le départ. Il faudrait se définir. Voilà. Au lieu de prendre une nounou ou une femme de ménage, et puis à la fin, c'est elle qui s'occupe de tout dans la maison. Il faudrait déjà dès le départ définir les contrats. Est-ce qu'on le fait déjà dans c'est le ça, ménage? C'est ça, le grand problème. Maman Salva. Contrat Villem Lila Mounaïfa. Par exemple, en général, dès les débuts, est-ce que nous faisons un akonamam, le versement français, dans la façon de voir les choses, est-ce que le patron, malgré on a respecté les contrats? C'est-à-dire, Mirkoubeba, Ninjou peut-être arrangé pas qu'à salon, pango, cuisine, mais on a fait qu'à sur place, on a coûté ni biote, ni bateau, on est toujours en même temps, on a dit, mais bizarrement, il y a un peu de choses. Est-ce que le patron, malgré on a respecté les contrats? Merci, Madame Chaco. Mais nous avons un coup tout le monde a un monde à casse, nous avons fait un casse. Jardinier. À part jardinier, ça, moi, il y a un cage à ta 10. Au lieu où tu es, comme on est mansane, on a soupoula, on est chamansane.
ntoto na yamba kulona acha bibi wende ube problem acha ile mansani beba onde unuze mbele sombe panga mbele pele we mtu moyo ile makaji yote utaifanya che utaifanya tu kwa nguvu piske we ulifuata ni kaji ulifuata ni kaji utafanya tu nguvu yako yote muro mko nguvu lakini uyue ke hii kaji shitu natumikaka ni sawa vile unatumika kwako utaibeba ile nyumba yako unaenda kupeleka kwa patron. Unaiangalia nyumba yote. Kama kwako unatumika kazi ya nguvu, uyue na kwa patron utatengeneza paka vile. Sasa. Utaipenda. Mais sasa yeye patron wako ndio kushikilia buluma. Sasa pour le moment, apumujike kombile. Mais est-ce qu'en général mortajana na ba patron ba na basema en tout cas mine mutia kazi kiloko me kazi ya mingi ni mpandishe ko salaire. Est-ce que beko tu ba mingi? Ha, bale bantu ba vile beko rara. Beko rara. C'est-à-dire na faka assembla loake. Huko mwingine naweza kuwa bwana iko roho ya bien bibi romba. Zaidi bwana sapa ba mama bala ko mbaya mama sana. Zaidi. Madam Sharp. Huko ba mama mwingine beko na roho nzuri. Na mwingine bwana ashikaleke na jiokipe na mambo ya nyumba. Ushafu bibi. Me bibi mwingine utakutanisha mkono na mkono. Sasa. Je ne sais pas si tu es là. Patron, on n'a pas chaque fois un examen de conscience. Est-ce que au monde, nous on a tout mis qui chargé? Oui, au monde, et que ça monte. C'est ça. Tu vois, maman Salva, maman Naomi, maman Salva. Bantu akazi na baba ni kana wa nkosa ya mingi. Une fois que la femme de ménage s'habitue à son patron, alors ça n'a quoi rafiquer. C'est ça. Elle se croit tout permise. Elle se dit, je peux tout faire. Je vais vous faire rire. Il y a eu une histoire. J'ai même mis ça une fois sur mon statut. Moi, Mounyumba, il y a des histoires que je paye que pour les enfants. Voilà. Je dis que ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour nous autres. C'est pour la maison. Tout le monde. Moi, je paye même des histoires pour les travailleurs. Je dis qu'à Manté, nous. Donc, même quand vous allez déjeuner, gérez ça comme vous voulez. C'est pas mon problème. J'entre en cuisine. Je trouve la femme de ménage en train de prendre le Nesquik des enfants. Pas autour. Allez, Kamukino. Maman Issa, quand je prends mon chambre, je dis que ce n'est pas bien. C'est pas bien. Quand on prend les femmes de ménage, c'est pour nous aider. Et c'est au fur et à mesure plutôt qu'on devient famille, donc on se familiarise. Mais ça ne veut pas dire que tu oublies tes fonctions des femmes de ménage. Respecte les biens que tu as trouvés. Respecte les personnes que tu as trouvées. Moi, je me dis que si tu respectes ton patron ou ta patronne, tu respectes ton travail, tu n'auras pas de problème. C'est ça. Mais parce, Gisèle, oui. Pour revenir un peu à toi, c'est vrai réellement, hein, lorsque nous cherchons les femmes de ménage, bon, les nounous, je ne sais pas trop, mais les femmes de ménage, c'est vrai. Miko ne remet pas ça, Gisèle, face à ce genre de problème. On fait quoi? On chasse, mais tu te rends compte que la femme est en train de bien travailler. Ouais. Mais non, mais en fait, quelqu'un de parfait sur cette terre n'existe pas. C'est à peu près comme le fait avec les maris ou les épouses. On s'est dit, ben voilà, j'ai quitté celui-ci parce qu'il est infidèle. Et qu'est-ce qui me garantit que l'autre là sera fidèle? C'est ça. Voilà. C'est question de parler, de parler, d'avoir le temps. Il y a celles qui écoutent, il y a aussi les autres, comme madame l'avait dit, elles sont mal éduquées dès le départ, elle est vraiment mal polie, elle vient d'une famille, je ne sais comment. Mais celles qui ont des oreilles, on essaye d'échanger, de parler. Mais très souvent, bizarrement, quand vous parlez, elle fuit elle-même. C'est ça. Quand vous parlez, maman, ce que tu as fait, j'ai vu, tu as fait ça, il y avait ça, tu as récupéré, tu as pris. Prochainement, il faut toujours me les demander. Et elle a honte, elle va fuir d'elle-même. Mais j'avais une question à madame Muriel, posée à madame Muriel. Entre les femmes, parce que
souvent, nous qui sommes jeunes, on s'est dit, je préfère une maman comme maman Salva, ouais, comme femme de ménage, ouais, que de prendre une jeune. Mm-hmm. Parce qu'avec les jeunes, il y a beaucoup d'abus, mm-hmm, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis. Mm-hmm. Déjà, les jeunes, même quand elle te dit la vérité sur certains points du ménage de la maison, personnellement, je dis, Eko bongo, Eko nalanda, yon jeune affaire bonangou m'avance. Mais alors qu'il peut s'avérer qu'elle est victime d'un harcèlement, mm-hmm, dans la maison. Mm-hmm. Nous, les femmes, souvent, on ne les fait, on ne les font pas confiance. On s'est dit, mais voilà, Eko bongo, yon jeune affaire, elle veut détruire comme mon mariage. Mm-hmm. Deuxièmement, on s'est dit, elles sont, voilà, elles ont trop de négligence. Mm-hmm. C'est aussi un constat que j'ai fait. Mm-hmm. Quand il s'agit d'une mère, la maman se donne parce que maman, ça va dire, là, elle est divorcée, elle a une charge derrière elle, elle a ça, des enfants, elle a à faire. Elle ne vit que de ça. Voilà. Mais la jeune fille, elle vient déjà. Mm-hmm. J'avais vu une autre jeune fille qui vient. Elle vient même en compétition. Make-up, couleur touchée. Non. Comment vous pouvez prendre si voilà, personne pareille? C'est ce que j'ai dit. C'est ça, nous avons besoin des femmes qui sont un peu responsables. Mais j'ai dit ça. Pour se sentir en sécurité. J'ai suivi un témoignage d'une femme de ménage qui dit. Moi, naturellement, j'aime le maquillage, j'aime être chic, je n'ai pas assez de moyens, mais à mon niveau, je m'arrange à être bien. Mm-hmm. Mais quand je pars au boulot, je fais le nécessaire d'être un tout petit peu négligée, d'avoir l'air négligée. Mais ma patronne me dénigre, surtout quand elle est avec ses amis. Quand ses amis viennent à la maison, elle t'appelle, par exemple, une fois, tu n'as pas réagi, peut-être tu n'avais pas entendu, la deuxième fois, quand tu viens, et puis commence à dire, ah, elles sont mauvaises, regarde que bizarre. Mm-hmm. Maintenant, je me pose la question. Qu'on commence à s'habiller comment, mm-hmm, tout coup est propre, on a ces jours bon ayant, on a quoi négliger au kombucha, donc face à ces genres de problèmes, donc j'ai posé deux questions entre les personnes âgées et puis les jeunes, comment vous les gérez et quelles sont les préférences des femmes quand elles viennent vous demander service. Mm-hmm. Et alors, la plupart des clients, des clientes, hein, la plupart du temps c'est des femmes, mm-hmm, demandent des femmes veuves ou divorcées. Ça, je ne peux pas mentir. Les jeunes, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, sont un peu dans les nuages. Surtout si elles ont des enfants. Voilà. Donc, c'est très compliqué d'avoir une jeune fille, femme de ménage, à dater d'aujourd'hui, parce que, voilà, il y a toutes sortes de choses dans sa tête, il y a toutes sortes de choses. Elle n'est pas responsable. Voilà. Voilà, on rencontre ce problème-là. Mm-hmm. N'empêche que, je crois, dans mon agence, je dois avoir 4 ou 5 jeunes filles. Elles ne sont pas très jeunes. Elles sont jeunes filles mères. Okay. Déjà, il faut savoir qu'au début de la création de cette société, je le faisais gratuitement. C'était dans le but d'aider des veuves et des femmes qui n'ont pas étudié. Voilà. Donc on une leur façon de se situer comme voilà, dans la société. On leur donnait des formations pour pouvoir les aider. Et dans ce sens-là, bien sûr, au fur et à mesure, c'est elle qui appelle elle. On s'est retrouvé avec des jeunes. Mais la plupart du temps, en tout cas, je pense que c'est peut-être un seul contrat où on a des jeunes et souvent c'est des expatriés qui supportent un peu. Oui, oui, mais parce qu'ils veulent bien, ils sont seuls. Ils veulent voir, ils sont célibataires. Quand c'est une voilà, maman, elle va te dire ah non, pas du tout. Non, et puis c'est pour voilà, aussi plus s'habituer aux enfants. Aux enfants, c'est, ça, c'est plus ça, avec les enfants parce que les jeunes aussi sont. Les mamans, elles sont travailleuses, elles sont vraiment travailleuses. Mm-hmm. Or, les gens comme les expatriés cherchent des gens qui vont se rouler dans la boue avec les enfants, qui vont sauter avec les enfants. C'est ça. Une veuve qui a 50 ans, pas cette force. Oh, et elle n'a même pas ce temps-là. Maman Salva, tu n'as pas de toujours et réalité à Vilouna, travaillé pendant 12 ans ou Ikaji. Patron Wako, tout le monde qui travaille quand même pendant 12 ans, c'est pas moindre. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous gagnez confiance à patron Kotileo ou que tu parles Léo, il n'a plus Maman Salva, Maman Salva, Maman Salva. C'est quoi même le secret? Merci, madame. Secret à quoi on a mis la pacha pour. Pour bien ma femme ménageur, bah je crois la micro non m'ouvre, je sais créer à Kwanza, kuji chouche, attends donc t'as nishana un problème, fulani il est nza ku déranger ça, assez ma ouille monte on a nishuki chasse ça neshima, mais kuji patie courage, c'est ça, kuji patie courage, c'est ça, et surtout micro non m'ouvre. Comme on a un mot, on a un mot, on a un mot. Puisque, tu n'as pas de mambo mingi sana. Patron, on a un mot, on a un mot, on a un mot. C'est ça. Tenez-le, makuta. Makuta, moi, mingi sana. La mingi, là, on a un bamba. Là, on a un franklin. Ça, ça, uko weye na ile makuta. Ronje, on a un pic. Bébé, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
à l'époque, il y a un chat $300. Et que ça, Alibamba, comme on a dit, il y a un poche, un sable. Il y a quelque part. Il est chic, on a voyagé. On a fait une semaine. Il est makuta, je ne suis pas là, 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 quelque part. Elle a dit après une semaine, trois jours après, je suis allé à la cage. Chef, je ne suis pas là, je suis allé à la cage. Elle a dit $300. Elle a dit deux fois, maman Salva, combien $300. Wow. Et quoi? Mais ça ne parle pas quand je fais rien. Elle a ta foutu à Chipad. Elle a sa mon couille au bébé. Il y a une chaque fois quelque part. Mon carton, il y a que moi, il y a téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a deux fois. C'est une manière de gagner la confiance. Il est ma couta, pas le miripad. Mais il y a une crise comme là. Voilà, donc on devra comprendre ensemble que Koukaouya na komukaji, c'est gagner la confiance de son patron. Moi, je vais d'ailleurs donner mon expérience à moi-même. J'ai eu une bonne qui lavait aussi les habits de mon partenaire. Un jour, on a mis les habits dans le panier, le pantalon, en fait, les habits de la maison. C'était un training. Il y avait seulement $40. C'était un lundi. Le mardi, il a oublié. Et le mercredi, il vient me dire, bon, moi, je pensais que tu avais vérifié dans le training, il y avait $40. J'ai dit non, j'avais mis directement dans le panier. Par ignorance, je n'avais pas vérifié. Et quand je vais demander à la dame, elle dit, je n'ai pas vu le $40. Elle m'a dit ça. J'ai dit, ok, tu n'as pas vu. J'ai dit, ok, merci avec ton Dieu. J'ai laissé tomber. Les jeudis matin, moi, je pars, je viens au travail. Elle voit mon mari, elle va demander, papa, maman a dit que tu avais fait tomber, tu avais perdu, tu avais laissé l'argent dans les trainings, mais moi, je n'avais pas vu. Lui aussi, il a dit, ok, merci, il n'y a pas de problème. Et quand mon mari vient me dire ça, je vais, j'ai la gronde. J'ai dit, comment se fait-il que moi, je t'ai posé la question. Comment est-ce que toi, c'est mon mari qui t'a fait engager? C'est là qu'il y a aussi un problème. Ouais. Et puis, elle me dit, mina kupingiaka. Vous voyez, face à ce genre de personnes, ça fait en sorte que avoir une telle confiance, c'est un problème. Mais petit à petit, on essaye de vivre parce que les personnes se diffèrent. Mais madame Myriel, je voulais un peu savoir, est-ce que vous recevez aussi le plainte de la part de ces femmes de ménage que vous donnez à, aux quelques personnes qui viennent vous demander? Vous recevez des plaintes, des doléances, comment on le maltraite et comment vous faites? Oui, tout à fait. Pour illustrer ça avec un exemple, il n'y a pas si longtemps, je pense l'année passée, on a eu une dame qui se faisait harceler par son patron. Voilà. Le hic, c'est qu'elle a pris du temps à dire à l'agence, parce que lorsqu'on fait un contrat, on fait un contrat avec le client et la dame. Oui, donc on lui donne des conditions. C'est un triangle en fait. Oui. Donc on lui donne des conditions, on lui dit si tu remarques ceci, cela, tu viens directement le signaler à l'agence. Voilà. Parce qu'en cas d'harcèlement, c'est automatique, on te sort de là, on prend le contrat et le client, c'est fini avec toi, on ne va plus placer quelqu'un. Donc c'est du devoir de la dame de ménage devait revenir vers nous pour nous dire les plaintes qu'il y a. Et à nous de prendre les dispositions qu'il faut, parce qu'il y a des termes qui sont définis dans le contrat, et ce n'est pas tout qui est défini dans le contrat, parce que nous sommes sous le code du travail. Est-ce que vous acceptez facilement ces plaintes? Comme je l'avais dit, souvent on s'est dit, Niboua Bongo, et puis voilà, elle ment, elle veut créer des désordres. Non, on est obligé d'accepter. Quand c'est approuvé, d'abord. Avec des preuves, il faut qu'il y ait des preuves. Pas nécessairement. Même écoutez, vous voyez quelqu'un qui vient vous dire, ou Mouzourien, vous avez quelle preuve? Et si elle ment? Et si la fille ment? C'est ça le problème, parce qu'elle ment aussi. En tout cas, on est obligé d'intervenir. Parce que on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas si c'est le patron qui est mal connu, on ne sait pas si c'est l'agent. Et on ne va pas aller directement voir le patron pour lui dire que non, on est venu nous dire qu'elle t'a harcelé. Il va remarquer juste qu'on a pris des distances. Et puis, face au client, vous allez voir par son attitude. Déjà, quand la personne vient vous dire, dans le cas de la dame en question, quand elle est venue nous dire,
tout de suite après, parce qu'elle a dit à son patron, je vais aller signaler à l'agence. Okay. Mm-hmm. Le gars ne nous appelait jamais, tout allait bien. Du jour au lendemain, il appelle le même soir, il appelle pour dire, en tout cas, votre dame de ménage, c'est pas possible. D'ailleurs, elle fait, je voulais pas me plaindre tous ces jours. Wow. Et si je dis, ah, mais ça fait plus de 7 mois que vous êtes ensemble. Alors, j'ai tout de suite compris que la dame avait raison. Et voilà, je lui ai dit, non, monsieur, ça sert à rien. Non, je veux qu'on me change et tout. J'ai dit, non, je vous recontacte. D'accord. Si j'ai, mais si madame Miguel, maintenant, en cas de vol, par exemple, vous êtes face à... Vous avez donné une dame, une femme de ménage, une nounou qui est voleuse. Oui. Et on vous fait ce rapport qu'elle a peut-être volé une somme exorbitante d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, au niveau de notre contrat, vu la somme qui est payée, on ne prend pas de... Comment on appelle? On n'est pas une agence qui garantit les vols exorbitants. Vous voyez, on se réfère toujours au code du travail, comme voilà. Je l'ai dit dès le départ. Mm-hmm. Et on vous soumet. Pour les vols, par exemple, ce n'est pas un cas... Pardonnez-moi d'entrer un peu dans le juridique. Ce n'est pas un cas civil, mais c'est plutôt pénal. Okay. Donc, c'est la personne elle-même qui répond. Okay. Qui répond de ses actes. Donc, on vous dépose... Mm-hmm. Gentiment. Au parquet. Voilà, vous avez des responsabilités. Ouais. Madame Muriel, est-ce que, si vous pouvez aussi nous parler des profils, il y a des gens qui viennent déjà avec son profil. Moi, je veux qu'il soit, la femme de ménage ou la nounou, qu'elle soit entre tel et tel autre âge, qu'elle soit belle de taille, qu'elle soit moche. Bon, voilà, quand même que les moches n'existent pas, déjà créé que des belles personnes. Ouais, voilà, il y a quand même des profils comme ça et. Qui vous donne ces profils-là? Souvent, ce sont les femmes ou bien les hommes? Rares sont les hommes, comme tout le monde, comme je vous ai dit. Ah. C'est souvent les femmes. Okay. Et généralement, elles aiment des femmes âgées. Donc, 35 ans, tolérables et plus. Pour se sentir en sécurité. Tout à fait. La plupart des femmes disent, ah non, je ne veux pas les jeunes, je vais tomber autour de mon mari. Ton mari est facile aussi. Ça. C'est ça aussi le problème. Maman Salva, moi, Maman Salva, on a encadré déjà. On va se les dire. Maman Salva, aujourd'hui, quand maman te qu'on a besoin, nous faisons quand même partie. Des fois, on a mis tard. Maman Salva, venez, t'as fait un monde tout à fait. Comme moi, ça me l'a fait. Parce que pas là qu'on a garanti. On a tout dans mon quartier, on a mon bébé, on a un pélé, ou bien on a fait un cadre dans votre. Parce que ce n'est pas une agence, c'est juste des contacts, des contacts. Des contacts, c'est meilleur. Merci, madame. Mie kama mtu ananiona chatike ni utafutie mtu. Mimi naangalia kama mkate ule kuna karaktere ya bien. Choose kumletea mtu mbele ni ndumba. Ah, balenga kama nasema kila siku anaibaka. Kama mimi nakuletea ule mtu ile modeli. Shata kuderanje sasa. Ifo nikuletee mtu wa bien sami. Puisque kule mimi nitampeleka. Mishipendi mtu ajinamante sana. Mtu uliniletea. Eko hivi. C'est ça. Il faut nous mettre mon toit bien. Mais Christiane, il t'est aussi arrivé une fois peut-être de rencontrer une vraie voleuse. Et comment tu as fait? Je peux donner l'exemple. Allez. On fait des exemples. Avant de rencontrer ma femme de ménage, celle avec qui on évolue maintenant, parce qu'elle a beaucoup traîné celle-ci. Hein, c'est une bonne. J'avais une dame. C'était une voleuse. Moi, j'avais remarqué. Elle volait. Elle entre au dépôt, elle se serre, le riz, elle part. Un jour, j'ai dit, ça va? Taïcha, mon amour. Elle a pris le riz. Pourtant, j'ai toujours dit, si tu as besoin de quelque chose, il faut demander. Le lendemain, elle revient, j'ai remarqué qu'elle avait vraiment baissé le sac de riz. Je lui pose la question, tu as volé, tu as pris le riz? Non, je n'ai pas pris. J'ai dit, le riz que tu avais... Quand tu rentrais chez toi, venez d'où? Parce que moi, je ne peux pas t'obliger de ne pas venir avec ton sac à main. Mais quand tu sors de chez moi avec ton sac, je dois vérifier. Bon, je dois voir ton attitude, comment est-ce que tu pars et tout. Et j'ai remarqué que tu avais un sachet de riz. Non, j'avais acheté. Tu avais acheté quand? Parce que tu as travaillé toute la journée. Tu n'es pas sorti de la parcelle. Tu as acheté quand? Je lui ai dit, tu sais comment j'ai su que tu avais volé? Dans ma chambre, j'ai une caméra. Waouh. Alors, et cette caméra, c'est pas vrai. J'ai dit, cette caméra me permet de contrôler toute ma maison. Toute la maison. Et quand tu es entré au dépôt, moi je t'ai vu. Tu veux que je t'éprouve? Elle s'est calée. Ça va. Mon mari était en chambre. Moi j'étais à la salle à manger. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, on appelle vidéo, mon mari. J'ai dit, papa, quoi? Et comme chambre, maman, elle commence à trembler. J'ai dit, ok, ta honte. J'appelle en vidéo. Mon mari qui répond.
Oui, j'ai dit, ah, je suis ici avec tel. Ah, ok. J'ai dit, vous avez papa quoi? Et comme mon chat, mon maman. Je connais que je suis dans mon. Je vais dans mon. Je vais dans mon. Elle a tremblé, elle a commencé. Non, maman, on est roumillé. Tout, j'ai dit, ça va. Mais moi, chez moi, je tolère tout sauf les vols. Et comme ce n'était pas la première fois, j'avais remarqué, j'ai beaucoup parlé, ça n'allait pas. Tu voles aujourd'hui le riz. Demain, si tu trouves une somme d'argent, tu ne vas pas laisser. Non, non, il ne va pas laisser. Alors, ouais, Nami, au revoir. Au revoir. En tout cas, en général, hein, les patronnes sont celles qui supportent très difficilement le vol. Ouais, parce qu'on doit quand même se sentir en sécurité. C'est dans chez notre moi, vie. Oui, oui, c'est chez moi. Je ne peux pas sortir, je suis. Le seul, je cache. Non. Les laits, je mets dans non, la... non, tout sauf ça. Mais, enfin, c'est, est-ce qu'on peut aussi aborder le point sur les côtés de certaines patronnes ou certains patrons? Parce qu'il y a aussi des bonnes femmes de ménage qui sont aussi victimes dans des familles où elle a des bonnes intentions, elle travaille. Moi, je connais une famille où la femme de ménage n'est pas autorisée à manger. Elle vient le matin, oui. Elle vient le matin, elle travaille toute la journée, elle rentre chez elle à 16h, 17h, mais elle n'a pas droit à manger. Parce qu'on la paye à la fin de chaque mois. Oui, on te paye ton argent, tu n'as que droit au transport. On peut aussi parler parce que, en fait, ces gens-là, quelqu'un a dit, ben qu'on a un maïs à être vivi. Surtout nous, les Nakutunga Batou. Moi, je le dis mais toujours. Comment expliquer quelqu'un qui prépare pour toute une famille, mais elle n'a pas le droit de manger si elle crache des. D'ailleurs, Gisèle, moi, j'autorise toujours quand il y a la femme qui prépare. Oui. Avant que je ne mange, je la demande d'abord, elle, de manger. Mais comment est-ce qu'elle ne peut pas manger? Comment est-ce qu'on peut la priver? Ça, c'est mettre sa vie en humain, d'abord. C'est inhumain. Moi, je pense que Gisèle, là, ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Mais en réalité, une personne normale qui a le bon sens, lorsque la nounou est là, même si elle n'est prépare pas la femme de ménage, même si elle ne prépare pas, sa part de la nourriture doit être là. Parce qu'elle dépense son énergie d'abord. Elle vient, s'il y a un problème, si elle fait, si elle tombe là, comment on appelle ça encore? Hypoglycémie. Ça sera. Malaria. Moi, je souffre en train de l'hypoglycémie. Je ne peux pas rester affamée. Mais maman, Salva, tu n'as plus la tenue en tout yoko en général. Parce que, as-tu déjà attaqué quoi? Tu n'es déjà attaqué quoi? Les gens ne peuvent pas parler. On n'est pas représenté, moi, Mini. Tu n'as plus la tenue. Quand moi, non, il y a tout à fait particulier. Où tu as ma maman, tu es là pour ma nyumba, ma fâche à quoi tu as ma société, où tu as laissé en colo. Je peux l'hôpiter. Surtout ma hôpital, dans ma entreprise. Je peux l'hôpiter. Soit en atteignant sa toilette, je peux l'hôpiter. Parce qu'il y a une grande nini, une belle maman, ça va te comprendre. Il est comme en Angaria, ni fâche, même kunyumba. Même kunyumba, c'est ça. C'est ça qu'on a dit. Kunyumba, on a. D'habitude, comment monte on a monté ici on a colopa ou les monte on a ici attends c'est ma belle pardon ok attends j'ai excusé ouais mais ben il a pas la kevin et souvent j'ai oublié de chercher ma carte on a chercher ma carte il est ton appendaire ni dieu ni ni comment tu n'es pas colopa j'ai monté à pite. Muto apite. Kama kupaya njana. Biske kusha kukauka. Biske itamurudisha tena kukaji. Ile sawa unapita. Unaacha tena manani. Njoo inafasa kakole. Njoo ile inafasa sako kakole. Shiku saza ule la fama ansani. Wala kula beba. Ula kula kukusha tena. Ula kukusha. Mama Salva tuwewe sa kuwa nsa ya toalet. Tende sa mtoalet. Sasa muto na keme mmanyumba. Akifanyi toalet. Akipende mtu. Puisque il faut ouvrir à la vie que tu as obtenu la il faut à la vie que tu as obtenu en tout cas maman Salva c'est très bien répondu maman Salva il faut à la vie mais madame colère il y a aussi
un autre problème sur le traitement, certaines nounous, mais qu'on a été sur la tôte. Les parents qui travaillent, vraiment une forte maltraitance. Nous les voyons sur les réseaux sociaux. À la bébé mototo, il n'y a pas plus longtemps qu'il est. Je crois ce matin, j'ai vu une vidéo, j'ai même pleuré. J'ai pleuré. Une nounou qui est en train de piétiner sur l'enfant, en train de le frapper. L'enfant peut avoir, en tout cas, si il est plus âgé, il doit avoir 2 ans. Il les frappait, peu importe la raison. Il était en train de les frapper. Je ne sais pas qui était en train de filmer. Plusieurs cas, nous avions vu sur les réseaux sociaux par rapport au traitement. Quand vous travaillez, vous formez les nounous, est-ce que vous tenez aussi compte de ça? Pour toi, mon tour, on a quoi pour une sécurité, que peu importe ce que l'enfant a fait, est-ce que ça nécessite ce niveau de maltraitance? Capelle, c'est encore c'est bien. Bon, je vais compléter, maman, je dis avec un autre exemple. Une dame qui travaille, elle laisse souvent ses enfants avec la nounou. Alors chaque soir, c'est à Kinshasa, chaque soir, parce qu'il fait chaud là-bas, il faut laver les enfants avant de dormir. Alors elle se rend compte que ces jours-là, elle n'était pas partie au travail, elle était à la maison. Les enfants, on les appelle pour se laver, les enfants fouillent, ils partent chez leur maman. Mais elle dit, non, allez chez tantine telle pour vous laver. Non, elle nous lave toujours l'eau froide. Quoi? Comment ça? À 7 heures, elle a tout. Et toutes les maladies liées à l'eau froide. Mais quelque part, il y a des elle dit non, mais c'est comme ça qu'elle nous lave tout le jour. Tout le soir avant que tu n'arrives. Et la responsabilité revient aux parents ou bien c'est toujours la nounou. C'est la nounou. Pour éviter de dire c'est la sorcellerie. Bon. Oui, parce que c'est pas normal. Voilà, c'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau des traumatismes. C'est une personne, voilà. Qui est de mauvaise foi. Ça, maman, c'est ça. De qui bengou, votre maman m'aime. Voilà, voilà pourquoi au niveau de l'agence, on essaye tant bien que mal de dire au client, écoute, il y a des choses comme une femme de ménage doit venir me dire, ah mais 250 c'est cher, on peut encore débattre. Mais au niveau des enfants, là je suis très stricte. Parce que voilà, il y a des femmes, elles le font à tes enfants parce qu'elle est mal payée. Et moi, je ne peux pas porter cette responsabilité. Imaginez un enfant, on lui donne un coup, il s'est évanoui ou il est mort. Qu'est-ce qu'au niveau de l'agence, on va faire? On va garantir la vie. Donc, on demande toujours au client de savoir, d'être conscient. Et on demande toujours une certaine vigilance de la part des parents. Vous pouvez être travailleur et tout et tout. Vous avez des gens peut-être dans la famille, envoyez quelqu'un un peu voir qu'est-ce qui se passe. C'est très important. Une surprise, oui. Oui, c'est très important. Essayez de revenir un peu à la pause, voir, checker. Vous entrez dans la parcelle, vous regardez par la fenêtre, comment elle se comporte. C'est très important. On demande aussi aux clients de s'investir dans ça. Parce que ça reste des enfants, ça reste des humains, ça reste des gens qui ont leur éducation. Nous, au niveau de l'agence, on forme professionnellement. On n'éduque pas. Les gens viennent avec leur comportement, leur éducation. Il y a une nounou, on a dit qu'elle enfermait un petit garçon et lui faisait toucher ses parties intimes et tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à 100%. Non. La confiance n'exclut pas les contrôles. Toujours contrôler. Au niveau des nounous, je n'ai pas beaucoup de placements de nounous parce que je suis très, très stricte par rapport à ça. Il faudrait que la personne, j'explique toujours au client, il y a ça, 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 essaye d'être là. Mais au niveau des clients aussi, est-ce que vous leur prodiguez le conseil comment vivre avec ces nounous, ces femmes de ménage? Tout à fait. Des quelques règles. Madame vient de parler de la nourriture. Par exemple. C'est la base. La nourriture, c'est quoi? Je dis toujours au client, la nourriture, c'est quoi? Rien, donner de la nourriture. Vous savez, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le Congolais fonctionne d'avoir avec le foufou. C'est ça. Il peut manquer d'argent, mais on si on a bunga. Oui, quand on a bunga. Madame, elle n'est pas capable. Dans les temps, nos mères aussi prenaient des nounous qui passaient nuit, qui rentraient le week-end. Ça continue encore. Tout à fait. Maintenant, avec les femmes battantes, courageuses, et tout, les femmes travaillent. Elles ont besoin des nounous qui dorment. Vous imaginez une femme à qui le mari a exigé que ce soit elle seule qui lui prépare sa nourriture. Elle vient, elle rentre à 18h. Elle doit faire la nourriture pour elle, pour les enfants. Elle doit se reposer. Et puis la nuit. Exactement, ça s'est pas manqué. C'est trop. Alors, c'est trop. Madame Myriel, moi je trouve que quelque part aussi la responsabilité de patronne, qu'elle puisse avoir quand même de l'amour, de la compassion, parce que ce sont aussi des humains. Ces personnes-là qu'elles amènent pour garder leurs enfants. Parce que moi je trouve aussi bizarre que je prends quelqu'un que je traite comme il se doit, c'est-à-dire on s'est entendu qu'on va commencer peut-être à donner 3000 francs de transport, mais je trouve que tu es une bonne personne, j'y rajoute même 5000 francs, parce qu'on ne sait jamais, tu gardes mes enfants, pourvu que la haine là, la jalousie ne puisse pas exister. C'est tout à fait normal, donc on doit aussi avoir de la compassion, de l'amour envers ces
d'autres personnes. Comme on voit souvent d'autres personnes, vous maltraitez votre bande. Moi, personnellement, même avec ma bande, souvent quand j'ai même les habits, hein, j'ai fourni des efforts. Parce que comme Gisèle venait de le dire, ces personnes-là ont une part de notre vie entre leurs mains. Mmh. Quand elles veulent bien nous détruire, elles le feront comme il se doit. Détruire nos partenaires, nos enfants. Parce que, bon, bizarrement, là, je suis au travail, je ne suis pas à la maison. Mais elle, elle est à la maison, même si elle ne garde pas l'enfant. Mais elle a quand même un œil sur l'enfant. Une petite distraction, elle peut venir vers l'enfant. Mmh. Mais si je me comporte mal envers cette personne, elle aussi, elle va toujours faire le retour. Elle va payer, voilà. Va payer le pot cassé. Oui, oui. Voilà, maman Salva. Tu n'as qu'à vraiment ma doléance, tu n'as qu'à bien cela, tu n'as qu'à utiliser mon zouri kabisa, mais tu n'as souligné quand même qu'à point qu'à moi, tu n'as qu'à beaucoup divorcé depuis plusieurs années. Mais Léo, quand j'ai beaucoup n'en couru pas ça, mais comment je m'en propose à passer ma Léo, maman, ça va voir télévision, répète, tu n'as pas ta montre moi. Au fil. C'est quand t'as la salle. Hein, maman, ça va. Alors, c'est ma panne, ni maman, à roue, à bien, à c'est ma bien, à j'exprimer bien. Mais là, t'as fait qu'on me recontacte. Je vais me contacter. Maman, ça vous dit, tu bien, t'as la Madame, il est à ta ouseme ou pande ou choki. On a une image. Pourquoi wapi? On a les chaussettes et les riaches. On a provoqué tout le monde. Madame, il est bon. En tout cas, madame Miguel, on est en train déjà de finir. De quelques difficultés que vous rencontrez dans votre société jusque-là, les grandes et alors? En tout cas, les difficultés qu'on a au niveau déjà des travailleurs, c'est au niveau des fois de recrutement. Des fois, les demandes des clients peuvent ne pas répondre à une liste de clients. Mm-hmm. Bon, il peut vous dire que je veux une femme comme ça, une femme comme madame l'a dit, elle décrit même la taille. Bon, mm-hmm. C'est compliqué. Voilà. On a ce genre de difficultés et aussi les discussions au niveau des prix. Mm-hmm. Les Congolais disent... Vous voyez quelqu'un qui vous dit, en tout cas, je veux une professionnelle. Elle sait faire ça. Quand je ne suis pas là, c'est comme si je suis là. Voilà. Mais après, tu sors le prix, elle te dit, c'est trop cher. Mais la formation vient avec, la qualité vient avec. Oui. C'est caprice. Ah, c'est ça, exactement. C'est tout marche de pair. Voilà. Christiane, on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Un mot de la fin? Adressez peut-être à votre nounou qui vous suit en cet instant, la femme de ménage. La femme de ménage. Ah, oui, mais t'as pas d'avant, Yumba. Je parlais de la vacance chez les grands-parents. Alors, moi, j'aimerais juste interpeller toutes les femmes de ménage et les nounous. Hein. Nous, on a cage, moi, à Tumika. C'est comme nous ici, comme on travaille. Il y a un cage haute, il y a un ministre, il y a cage haute. On se complète dans la vie. Mm-hmm. Si vous êtes là, c'est pour travailler. Mm-hmm. Si nous sommes là, c'est pour vous. Mm-hmm. Donc, que cette réciprocité-là, il y a travail, il y a ma peine, il y a cage, il est toujours à Tumika. Quand tu travailles chez quelqu'un, dis-toi que tu travailles comme c'est chez toi-même. Voilà. Comme c'était chez toi-même. Mm-hmm. Donc, voilà. Mm-hmm. Prends à cœur ton travail. Tu vas voir que. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est que tu fais les biens car ta bénédiction en dépend. On a vu des femmes de ménage aller en Europe grâce à leur patron. Voilà. On a vu des femmes de ménage construire des maisons. Moi, il y a la femme de ménage de ma belle-mère, Anamuja Nampango, Anamujengea, juste parce qu'elle travaillait chez elle depuis des années et des années. Elle a vu mon mari grandir, elle a vu donc mes beaux-frères grandir. Ah, je crois, tout ça, c'est la famille déjà. Donc, quand elle a un problème, elle n'hésite pas pour Moulomba patron Nouaké. Alors, quand tu travailles quelque part, dis-toi que par rapport à ton écart, je vais chercher ma salaire, ma promotion, toi aussi, c'est comme ça qu'on va te considérer. Exactement. Voilà. Gisèle Tambour, on est déjà à la fin. Si vous voulez peut-être avoir une femme de ménage, comment vous allez procéder maintenant que vous avez quand même quelques informations? On a ajouté sur ce que vous avez. Le profil est très important dès le départ. Je dois savoir, je veux quel genre de femme de ménage, que ce soit une nounou ou une femme de ménage. Il faudrait que j'aille d'abord le profil dès le départ. Et ensuite, son témoignage, c'est très important. J'aimerais aussi m'adresser à toutes ces femmes-là, à un certain niveau, excusez-moi, nous faisons beaucoup parce que vous nous aidez beaucoup aussi. Particulièrement, je salue Dalidia parce que c'est celle qui m'aide à la maison. Mais j'aimerais m'adresser à celle-là qui... En tout cas, excusez-moi, permettez-moi ce terme-là.
elle vient, ce n'est pas sa passion, ce n'est même pas sa profession, elle vient parce qu'elle veut un capital pour aller vendre, pour aller à Kasumbalesa, au Chemito. Elle vient, elle t'embrouille pendant un mois, deux mois, et puis elle va sans te dire au revoir. C'est comme si Moukosana, non, c'est pas correct. Quand vous venez, maman, nous qu'on a difficulté telle, je viens travailler pour autant de mois, en tout cas, si vous pouvez déjà vous préparer, dès que j'ai un petit capital, je vais aller continuer faire les affaires. En tout cas, Mingou vient, on y m'a affaire. C'est comme ça, il faut échanger. Parce qu'on ne connaît pas ce qui nous attend demain. Ouais, c'est pas aller comme ça sans dire au revoir. C'est comme si qu'on croit mambo. Et aussi arrêter de faire mankunji, moumampang. C'est ça. Le professionnalisme. Ouais. Rester dans la maison de votre chez manga ba patronne. Wang wane ni touma kasana. Wang ou ni paka mikoulou. Si vous voulez les écouter, ne pas de bus, si la terre à quartier, merci Gisèle. Mais vous aimons beaucoup. En et c'est que vous faites comme Christelle l'a dit, faites les biens car votre bénédiction en dépend. Maman Salva, ma pleine, ma chikie, vous pouvez démon ça, ça, ou tabambiako. Balé ba femme de ménage nini ban nous message il était ba fikia fois que je mangue na mabongo hein. Merci madame. Mina chika yi madame Gisèle na ton ngusema. Et surtout on a tanisha patronne wako mon pango ba to 3 4. O ta toka pa lo nenda kule. On a ngwana ka chimanga patronne, ce n'est pas bien. Voilà. Ouais toka ku nyumba, uende kwa patronne wa yeka. Kaji naisha. Rudi ya kwako. Conseiller tampati ba mama. Ini kaji moya ya nguvu ya muzuri. Kabisa. Ya muzuri kama ni bamba bien. Mie usalva. 12 ans. Fashi moya. Mufanye na moya nguvu. Yao ya nakutele o kutele. Ego. Bala mwana na mundo. Mama Salva. En tout cas, partout dans la cône, Mama Salva. Nous sommes dans la joie, Madame Muriel Rose. Un petit mot de la fin. En tout cas, je dirais à toutes les dames de ménage de nous aider à les aider. On va s'entraider, on est tous des femmes, on se comprend. On vous aime beaucoup, comme Madame l'a dit, mais on compte sur vous comme vous comptez sur nous. Exactement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On se retrouve encore très prochaine. Merci. Avec plaisir. Merci. Maman Salva. Pourtant, ça vous pique, t'as chaud, non, t'as peut-être une présentation. Alors, chers téléspectateurs, elle m'avait dit déjà au début que Mimi, t'as peut-être pas 30 minutes, madame. Mais hier, il y a une peine de Ish. Donc, voilà, c'était un plaisir d'avoir partagé ces beaux plateaux avec vous, mesdames. Le plaisir est partagé. Des très bonnes idées, moi aussi. L'envie ne finit toujours pas, mais on est obligé de partir déjà, de finir avec cette émission. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, chères femmes de ménage, chères nounous, comme on venait de le dire tout à l'heure, on vous aime, c'est pourquoi on veut toujours travailler en collaboration avec vous. Vous aussi, renvoyez-nous l'amour, le vrai que nous avons pour vous. On va encore travailler comme il se doit. J'ai vu aussi une dame ici à Lubumbashi, on l'a invitée à Kinshasa. Elle a accepté de payer aussi les billets d'avion pour sa nounou. Elle la ramène vers Kinshasa. Aujourd'hui, elle est devenue aussi kinoise. Chose peut-être qu'elle ne devrait pas être faite depuis qu'elle était née. Elle n'avait jamais voyagé. Mais parce qu'elle a été loyale, elle a travaillé convenablement, avec amour, avec sincérité, pas de vol. Et aujourd'hui, elle s'est retrouvée aussi à Kinshasa. Ça. Que dire de vous qui nous suivez en cet instant? Comment vous comportez? Est-ce que ça permettra à vos patronnes qu'elles puissent demeurer encore plus longtemps avec vous? C'est à vous-même de répondre. Sinon, nous vous aimons. Merci de nous avoir suivis depuis le début de cette émission. On se retrouve encore demain avec un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.